Xavier Bertrand ne veut pas que vous regardiez cette vidéo. C'est pour cette raison qu'il me poursuit en justice. Le procès aura lieu ce mardi 6 septembre. Xavier Bertrand et son armée d'avocats ne veulent pas que je diffuse un tract qui prouve ces six péchés islamiques. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région haute-france qu'il dirige finance le grand ballet de Lille qui fait la promotion du voile islamique dans sa communication. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région haute-france qu'il dirige a financé une application sur la certification halal. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région de France a financé et soutenu le lycée islamique Averos de Lille, dirigé par les frères musulmans. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région de France qu'il dirige finance la chaîne locale WEO, qui fait la promotion de l'imam salafiste Bousséna. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région de France qu'il dirige a financé Radio Pastel, qui faisait la promotion de Marwan Mohamed, fondateur du CCIF. Xavier Bertrand ne veut pas que je vous montre que la région de France qu'il dirige... Le vice-président de la région de France et maire de Roubaix, Guillaume Delbar, ont subventionné l'association islamique R qui était en fait une école coranique. Xavier Bertrand a horreur que l'on dise de lui que c'est un islamo-droitiste. Qu'est-ce que l'islamo-droitisme L'islamo-droitisme, ce sont ces élus de droite qui pratiquent discrètement le clientélisme islamique pour obtenir des voix aux élections et en même temps font semblant d'être vigilants ou même hostiles à toute forme de communautarisme islamique sur les plateaux de télévision pour rassurer l'électorat de droite. Cette attitude a un nom, la trahison. En utilisant l'intimidation judiciaire, Xavier Bertrand montre surtout qu'il veut cacher ses compromissions islamiques pour qu'elles restent inconnues des électeurs de droit. Vous le savez également, les combats judiciaires sont aussi chronophages que coûteux. C'est pourquoi je tiens à remercier tous les donateurs de Reconquête, car c'est Reconquête qui prendra en charge les frais de défense dans ce procès pour la vérité. Je vous donne rendez-vous mardi pour le procès et dans les semaines qui viennent pour le verdict. A très vite et merci à tous pour votre soutien. Et rappel, Xavier Bertrand ne veut surtout pas que vous partagiez cette vidéo.